C'est un grand plaisir pour moi d'inaugurer avec vous ce village francophone. Se donner ce rendez-vous du digital, ce rendez-vous donc du futur, mais aussi de la francophonie, un rendez-vous qui est tourné vers nos entreprises, vers la coopération, vers l'innovation, vers un certain nombre de projets que nous pouvons porter ensemble, est évidemment essentiel. Vous le savez, ce village va être présent à de nombreux événements, à de nombreux moments à travers le monde avec nos différents partenaires. Remercions la WEX, remercions l'Agence du numérique de cette démarche digitale wallonia internationale, puisque à côté du travail régulièrement mené, notamment à travers notre dizaine d'hubs digitaux à l'international, ces événements vont permettre de progresser sous forme de projet, de mettre aussi l'accent sur ce qu'on retrouve en Wallonie et parfois ailleurs dans le monde, bien sûr, des priorités, des atouts. Citons en Wallonie, par exemple, l'e-health, l'investissement aussi dans les live sports ou les live de loisirs. Notons également, bien sûr, le positionnement particulier en termes d'e-commerce avec, ce n'est évidemment pas une révélation, avec notamment l'implantation d'Alibaba et d'autres acteurs de l'e-commerce extrêmement importants au niveau mondial à Liège. Je voudrais également souligner l'investissement récent dans l'intelligence artificielle de nos universités, de centres de recherche et d'entreprises. On voit à quel point les progrès, mais aussi l'ensemble des progrès que nous allons réaliser dans le futur en matière de digital doivent nous mobiliser. Autorités, institutions, entreprises. Cette démarche digitale wallonia à l'international a d'ailleurs été soulignée, saluée par la Commission européenne elle-même comme un des éléments lauréats, si je puis dire, de l'esprit d'entreprise. C'est avec cette volonté d'aller de l'avant que je lance ou que je participe en tout cas au lancement de ce village francophone. Excellent travail à chacune et à chacun d'entre vous.